maître est en train d'écrire sur le tableau. Soudain, quelqu'un l'a attaqué avec un ballon. Le maître s'est évanoui. La police enquête sur l'attaque. L'inspectrice Maya est calme et un peu confuse. L'inspectrice Regina est sérieuse et elle veut trouver le coupable. L'inspecteur Matteo est nerveux. Il n'aime pas qu'on attaque les maîtres. Ils vont interroger les suspects un par un sur leur alibi. Qu'est-ce que vous avez fait hier entre 13h et 14h? On est allé au restaurant pour manger. Qu'est-ce que vous avez mangé? On a mangé de la pizza. À quoi était ta pizza? Ma pizza était à pepperoni. Comment s'appelle ce restaurant? Ce restaurant s'appelle les 15h. Où est ce restaurant? Ce restaurant est en bas de la tour Eiffel. Qu'est-ce que vous avez fait hier entre 13h et 14h? Entre 13h et 14h, on est allé au restaurant. Qu'est-ce que vous avez mangé? Nous, on a mangé de la pizza. Comment s'appelle ce restaurant? Ce restaurant s'appelle les 15 amis. Où est ce restaurant? Ce restaurant est en bas de la fenêtre. De quelle couleur était votre vêtement? Notre vêtement était de la couleur noire. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de la pizza pour voir comment c'est. Qu'est-ce que vous avez fait entre 13h et 14h? Nous sommes allés dans un restaurant français à Paris. Que est-ce que vous avez mangé? Nous avons mangé de la pizza. À quoi était ta pizza? La pizza était à pepperoni, pain et fromage. Comment s'appelle ce restaurant? Le restaurant s'appelle le 50 amis. Où est ce restaurant? Ce restaurant est dans la tour Eiffel. De quelle couleur étaient vos vêtements? Nos vêtements étaient de noir. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de la pizza, de la recette de la pizza. Qu'est-ce que vous avez fait hier entre 13h et 14h? Nous sommes allés au restaurant. Qu'est-ce que vous avez mangé? Nous avons mangé de la pizza. À quoi était ta pizza? La pizza était à pepperoni. Comment s'appelle ce restaurant? Ce restaurant s'appelle les 15 amis. De quelle couleur étaient vos vêtements? Notre vêtement était noir. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que nous sommes tous coupables. Parce que Nicolas, il a dit que le restaurant est dans la tour Eiffel. Les autres ont dit que le restaurant est en bas de la tour Eiffel. Oui, ça c'est vrai. Donc, je crois que oui, ils sont coupables. On va les mettre en prison. Vous êtes tous coupables, tous en prison. Ils se sont échappés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On doit les retrouver.